Mais là, là, tu es conscient que la mort vient vers toi. C'est pour ça qu'il y en a qui pleurent, il y en a qui crient, je ne veux pas mourir. La mort est consciente. Alléluia. Qu'est-ce que la vie? Donc cet être humain là qui avait inspiré, puis tout le monde était content. Parce que quand le bébé crie comme ça, on est content. Oh, il est né, on applaudit. Toute sa vie, il a inspiré, expiré, expiré. Mais à sa dernière heure, il va expirer. L'air qui était entré, quand il est né, va sortir. Quand l'air était entré et qu'il criait, les gens jubilaient de joie. Il est né, il est né. Mais quand l'air va sortir, quand il va expirer, oh, alléluia, ceux qui sont autour ne vont plus jubiler. Oh, il est mort. Il est parti. Oh, oh, cette fois, on ne rit plus. Ce sont les pleurs. Ce sont les pleurs. Parce que l'homme est parti. Le corps qu'elle a ne peut pas parler. Il ne peut plus s'exprimer. Même ce qu'il n'aimait pas, tu peux lui faire. Ce qu'il ne voulait pas entendre, tu peux dire. Ça ne lui fera rien. Parce que celui qui était à l'intérieur est parti. Qu'est-ce que la vie? Jésus est mort, il est ressuscité. Il est venu nous donner la vie. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie? Maintenant, je vous montre un exemple. Quand tu vas dormir, tu fermes tes yeux. Quand tu fermes tes yeux, tu es plongé dans les ténèbres. Tu es plongé dans le noir, tu ne vois plus rien. C'est pour ça que la Bible dit que les yeux, c'est la lampe du corps. Quand tes yeux sont fermés, tu ne vois plus rien. Tu es dans le noir. Donc quand on dort, on a les yeux fermés, on est dans le noir. Jusqu'à ce que tu ouvres tes yeux pour voir encore ce qui est autour de toi. Mais le jour où tu vas fermer tes yeux pour la dernière fois, et que tu seras plongé dans le noir, qu'est-ce qui va se passer? Quand toi tu seras mort, quand chacun de nous sera mort, quand notre âme va sortir de notre corps, mon frère, vous savez souvent, quand on va enlever le corps, quand on va en veiller funèbre, quand moi je suis assise, je dis, mais pendant qu'on a la veillée de cette personne, où est la personne? Où seras-tu quand les gens seront à ta levée? Est-ce que la vie sur la terre finit quand on meurt? Est-ce qu'il y a une autre vie? Est-ce que l'homme prend fin le jour de sa mort? C'est des questions qu'il faut se poser. Alléluia. Qu'est-ce que la vie de l'homme? Donc quand tu seras, chacun de nous va fermer les yeux pour une dernière fois. Il sera plongé dans les ténèbres. Quelle est l'étape après ça? Où est-ce qu'on va déboucher? Où est-ce qu'on va aller avec ça? Mais Dieu dit quoi? Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. David dit, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand tu seras dans la vallée de l'ombre de la mort, que tu vas fermer tes yeux pour la dernière fois, et que les ténèbres t'auront envahi, Jésus-Christ dit, je suis la lumière de la vie. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. Jean chapitre 3, verset 16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, la vie qui est en nous, c'est une vie qui va périr. Parce que cette vie contient le péché. Oh, le péché détruit. Le péché donne la mort. Mais Dieu dit, il envoie son Fils comme une seconde chance pour l'humanité entière. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu ne périras pas. Mais tu reçois la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Quand on dit la vie éternelle, d'autres croient parce que c'est long. On dit de quelque chose que c'est long quand c'est mesurable. La vie éternelle, c'est une vie d'éternité en éternité. Elle n'a pas de fin. Donc on ne peut pas la mesurer. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie de Dieu en nous. La vie éternelle, c'est une vie qui ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Dieu s'appelle l'ancien des jours. Il s'appelle le commencement et la fin. Donc on peut tirer comme on peut raccourcir. Il est le commencement et la fin. Dieu, c'est le temps. Et il décide de te donner sa vie en acceptant Jésus-Christ. C'est un don gratuit, mon frère. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Dieu n'existe pas. Arrêtez de raconter des histoires aux gens. Qu'est-ce qui prouve qu'il existe? Il me demande, moi, qu'est-ce qui prouve que Dieu existe? Je lui ai dit, mon frère, toi aussi, qu'est-ce qui prouve que Dieu n'existe pas? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'existe pas? Bien aimé frère, la Bible dit qu'après cette vie, il y a deux endroits. Soit tu es perdu, soit tu es sauvé. Crois à la parole. Mets en pratique la parole. Si tu meurs et t'es arrivé là-bas, c'est faux. Tu n'as rien perdu.
Mais si tu ne crois pas et que tu meurs et puis arriver là-bas, ce qu'on avait dit était vrai. Comment tu fais? C'est une question d'éternité. Il n'y a pas de fin. La damnation, la condamnation éternelle. Le péché ne nous donne plus droit au trône de Dieu. Le péché ne nous donne plus droit à la présence de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu comme solution, comme seconde chance à l'humanité entière. Vous savez, si vous voulez passer votre temps à remettre en cause la parole de Dieu, vous ne serez pas sauvé. Jésus-Christ a dit, celui qui accepte le royaume des cieux comme un enfant, c'est lui-là qui sera sauvé. Ce n'est pas moi de démontrer l'existence de Dieu. La Bible dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. Il dit, c'est quelque chose qui n'est pas monté aux yeux de l'homme. Que l'œil n'a pas vu. Que les oreilles n'ont pas entendu. Qu'ils ne sont même pas montés au cœur de l'homme. C'est une grâce que le Seigneur a faite à l'humanité. C'est quand tu crois que tu découvres. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il aura la vie. Entrez par Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu le suis, tu trouveras la vérité. Et si tu vas jusqu'au bout de la vérité, tu auras la vie. À vous tous qui voulez être sauvés après la mort. À vous tous qui voulez la vie éternelle. À vous tous qui vous posez des questions de ce qui se passe après cette vie. Acceptez Jésus-Christ comme moi je l'ai accepté. C'est le plus beau cadeau que je puisse vous offrir en ce début d'année. En cette année qui vient de commencer, c'est le plus beau cadeau que je puisse vous offrir. Le salut pour votre âme. À vous tous qui voulez accepter Jésus-Christ, répétez après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte. Entre dans ma vie. Sauve-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir de maintenant, guide mes pas. Au nom de Jésus. Amen. Soyez sauvés. Soyez restaurés. Soyez remplis de la vie de Dieu. Mon rôle, c'est de vous parler de la part du Seigneur. Dieu m'a appelé au ministère. Recevez la vie. Soyez avec Jésus-Christ chez vous. Abonnez-vous à ma page Réseau International Richesse pour la prochaine vidéo. La vidéo prochaine, ne la ratez pas. Le thème, c'est le miracle de Bartimée. Le miracle de Bartimée. Alléluia. Soyez bénis. Au nom de Jésus.